Bonsoir à toutes et à tous. Et je me fais la réflexion hein, au bout de oula, au moins tout ça d'heures de jeu. Cette musique est très reposante, hein, non? Je pense qu'on va rester les 2 heures là-dessus. Ça me tente bien. Vas-y webcam, tu peux y arriver, voilà. Ouais, je suis flou. Je suis flou. Bon, alors, hier on avait pas trop mal avancé, hein, du coup, là pour le coup, grâce au chat qui m'a expliqué comment on entrait dans le DLC, parce que sinon j'aurais jamais trouvé tout seul, on a battu un premier boss et on allait bah, continuer quoi, voir ce qui se passe un peu. N'est-ce pas? À flou-flou. C'est parti. Donc je sais pas trop où je vais hein, en vrai, bien sûr vous avez l'habitude. Bon, j'ai noté l'entrée à gauche mais non 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 normalement. Enfin j'en sais rien Fury. Il doit y avoir de l'explo je pense. Il doit y avoir de l'exploration. Je suppose. Déjà un feu. Déjà un feu. Bonjour. Look at this one. From what far away age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah. Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer. Snatched non. Away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Bien sûr. Salut Uriste. Et salut Curan. Que se passe-t-il, Uriste? Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Ouroseal. Ah, il faut que tu manges. C'est ballot, hein. Oh! D'accord! La poudre de réparation. Mais on s'en fout, en vrai. May the flames guide thee. Salut petite pelle. Un corogu géant, tu penses? Comment il s'appelait? Dans Skyward Sword, il y avait des gros ennemis comme ça, de moitié hérisson là, ça me fait penser à un d'eux. Bah des gros ennemis, non, justement des gros gentils. Comment s'appelait ce peuple? Je sais plus. Je ne sais pas. Bon, bref. Donc on va aider la princesse qui nous a déjà aidé par le passé en vrai. Ah mais d'accord. On a totalement voyagé dans le temps là en fait en vrai. Oui, les c'est un truc comme ça juriste. Les Tikwi, ouais, c'est ça, c'est ça. Et le chef Tikwi, bah il est gros.
Ah, téléchargement de Just Cause terminé. Vous êtes tous ravis de le savoir. Ouf, 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 ouf. Deuxième. On est bien. Des lapins adultes? Non, mais non. Ils auraient pas mis un truc aussi dangereux dans le jeu. Ils sont sadiques, mais pas au point de mettre des lapins adultes. Des lapins bébés à la limite. Mais adultes, non. Allez. Ah. Ça sent l'arme. Ah ouais. Ah voilà. Voilà, pas capable de régler ses problèmes tout seul. Donc on appelle 40 000 mobs à la rescousse, bien entendu. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est Steam, hein. C'est pas le jeu, c'est Steam qui a fait de la merde là. Pour la cérémonie du printemps, bah pourquoi pas? Ça a l'air d'être l'époque en plus là. Moi je suis particulièrement nul là. Ah ouais. Je suis mort. Ça se passe très bien. Alors, du coup, on va revoir que des trucs qu'on a déjà visités avant, c'est ça? Ils nous font une Capcom? J'essaie de visiter à peu près. Hein. Je vais sans doute rater plein de trucs, mais bon. Ça ne marche pas. Pourquoi je m'obstine à faire des choses qui ne marchent pas? C'est comme ça qu'on fait. On se casse. Oh putain. Je me suis fait défoncer le crâne. Eh bah c'est pas grave. Sont devenus méchants les champignons du coup dans le futur. Il a dû se passer quelque chose.
On reconnaît bien Calais. Oui, oui, oui. Tu veux bien te calmer, toi? Alors, voilà. Alors maintenant, la question, c'est je suis mort où? Il est mort où? Ouah, il s'est carrément vautré. Le pauvre. Un CRS? Oh non, quand même pas. Déferlement de références sur le chat. Par contre, attendez, c'est là. Oh, patate de forain. Faut que je retrouve, je suis mort où? Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que, en fait, un arbre... Ça ressemble beaucoup à un autre arbre, hein, quand même, je trouve, dans ce jeu. Et dans la vraie vie, d'ailleurs. Rassemblement José Bové. Ça se tient. Franchement, ça se tient. Ça se tient. Je suis mort par là, je crois. Enfin, c'est pas je crois. Il y a mon cadavre. Attendez, attendez, pousse, pousse. Le gars il fuit. Est-ce que je fuis moi face à l'adversité? Non, non monsieur. J'assume mes conneries. C'est vrai qu'ils sont énervés les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un leur a volé leur goûter? Donc je pourrais rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah. Ah, il doit y avoir tout le set de gardiens du coup. Alors attendez, on a une... Donc, il nous manque le casque et le... Bah, le haut. Il y a peut-être un raccourci. Ah, foutez-moi la paire, c'est bon. Des ennemis ici, il y a des ennemis là-bas, il y a des ennemis partout quoi, c'est la fête.
Ok. On est bien. Ah. Bravo! Joli. Joli, joli. Je fais tellement de la merde que ça m'énerve. Putain, je me fais attaquer par des binettes quoi. Calmez-vous. C'est pas gagné hein. On est pas gagné. C'est juste Canino. Ah bah non, justement, je vais crier pour te maintenir éveillé. Non, ça sert à rien que j'aille là, je suis là. Comme toi, hein, c'est bon. J'ai rien vu, mais vu que je suis debout, c'est que j'ai bien joué. Donc là, tout à l'heure, j'y suis déjà allé, hein, je m'en souviens. Ah bah oui, logique. Non mais logique. Je vais mourir. Bon alors attendez. Avant toute chose. Voilà, je redeviens un humain, c'est important. Donc voilà. J'avais ma barbecue. Voilà. J'ai donc 15. Je peux en avoir jusqu'à 20, il me semblait. Bon, 15, c'est bien. Faudrait que j'embrase encore. Oh, bah non. 15, c'est bien. Ok. Bah non, je peux pas renforcer mes armes. J'ai perdu mes âmes. On est parti. On est parti. Pour le casser la gueule. Pour se faire casser la gueule, je ne sais pas encore. Ça bouge totalement, hein. Ça me suit. Mais je suis le plus fort. C'est fou, mais en fait, ils sont bien camouflés finalement. Alors lui, il va appeler son papa et sa maman. Aïe.
Troisième? Non. Oh, oh, oh. Donc aujourd'hui, je suis allé à... Je vais vous raconter ma vie ultra passionnante. Hein. Donc on sait qu'on doit partir sur Strasbourg hein, avec le... Notamment avec le travail d'Aléa. Depuis un moment, on le sait. Mais on sait juste pas quand. Qu'est-ce que c'est que pourquoi? Alors je vous raconte ma vie, mais après. Tu te calmes. Oui, voilà, Scalino. Là, c'est le moment où tu vas où tu peux t'endormir, effectivement. Donc, moi, je bosse déjà à Strasbourg, mais du coup, on savait pas trop où on allait habiter à cette période-là, en fait. On n'était pas trop au courant, du coup. Ce que j'ai fait, toi aussi, tu te calmes. Pardon. Putain, mais les mobs ils veulent pas que je raconte mon histoire quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je sais plus. Ah oui, donc je disais, j'avais commandé une statuette First War Figure, donc un gros truc. Je l'avais fait livrer au boulot. Et tout le monde se demandait ce que c'était que ce machin. Et donc moi je leur ai dit, bah... Merde, j'ai pas vu ce que j'ai looté, c'est pas grave. Je leur ai dit, bah, c'est blabla, bah, enfin bref. C'est une statue de First Force Figure, je l'ai même déballé et tout. Pour vérifier qu'il y avait rien de cassé. Et du coup, on a notre nouvel appart. Et donc, la première chose qui a atterri dans cet appart, ce n'est pas un lit, ce n'est pas un frigo, ce n'est pas un réfrigérateur, ce n'est pas un micro-ondes. C'est une statuette First Force Figures dans son carton d'origine. Voilà. C'est tout. C'est tout ça pour ça, hein. Donc je suis désolé si vous pensiez que j'allais dire un truc intéressant. Exactement, les priorités. Putain, ça... Ça envoie pas du rêve ici, hein? Alors le problème c'est que si je tombe là... Bah on va tomber de toute façon. Hein. Je sens un drame arrivé. Un trouble puissant dans la force. Mais d'accord, la cisaille maintenant. Ok. Ils vont me faire toute la trousse à outils du jardinier quoi. Ah, le PC et le bureau, bah oui, aussi, c'est important, effectivement. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Oula, non, bah non. Par contre, ça, c'était très con. Ah non. Ça va, il n'y a pas les espèces de gros chats, les chats crocos. Me plaisez-vous. Totalement des trucs de partout. Hein. Matelas gonflable, bah ouais, ouais, pas mal aussi. Le classique.
D'accord. Ça veut pas me débloquer mes raccourcis, très bien. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Donc là, on va. D'accord. Mais est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller par là? Bonjour. Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the pass. Ah. Bah, salut Ambrosia. Bah, j'ai envie. Oui, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land, but at least now there are two of us. D'accord. Did you happen across the legendary Abyss Walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask oh. me. Oh là là. So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. Oh là 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 là. Oh, you know me. What do I... so long. Ouais, so long, ouais. Ce Dark Souls. Bah, je me fais rouler dessus. Moi, je pense que c'est normal. Donc j'ai débloqué un petit raccourci, ça c'est bien. Alors je vais pas reprendre le raccourci parce qu'à un moment je suis tombé, je sais plus s'il fallait que je tombe ou pas. Donc oui, je débloque des raccourcis et je les prends pas, mais ça c'est normal. Bah en fait j'ai fait le DLC parce que si je dis pas de conneries, sauf peut-être boss optionnel, normalement j'ai buté tout le monde en boss. Genre même ceux qui m'avaient rien demandé. Et donc on m'a dit que c'était maintenant ou jamais pour le DLC quoi. Alors il paraît, oui, il paraît que c'est une tradition d'aller tuer tous les PNJ. Le problème c'est que je sais plus où ils sont tous les PNJ moi. En plus, sur là, je suis sûr ils sont allés se faire tuer eux-mêmes parce que moi j'ai pas. Ils sont partis, ils sont pas reviendus. Donc à gauche, là, il y a quoi là? Oula, j'étais vraiment censé pouvoir passer en fait? J'ai un doute. Ah, merci pour le sub, on revient. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça, c'était le piège à con. Et j'ai failli me jeter la tête la première dedans. C'est des pièges à con où il y a mon nom écrit dessus, vous savez. Genre, haha, moi il va tomber dedans là. Il est là ton tuc. T'as même mieux, t'as, regarde. C'est un paquet de tuc custom. Regarde, t'as vu, tu peux... Mmh.
Ah mais j'y vais comment du coup? Il y a une magie de... Une magie où tu peux voler? Bon, je vais pas... Je vais pas tenter le diable. Là-bas, il y a l'air d'y avoir des objets. Et un ennemi qui est là. Oh là là. Merci à la spatialisation de mon superbe casque pas du tout gamer qui m'a permis de détecter d'où venait l'ennemi avant qu'il m'attaque. Oh! Attends, ces grandes flèches là, c'est pour tuer le... Enfin, c'est pour tuer. C'est les flèches... Ouais, c'est ça, c'est les flèches spécifiques pour le grand arc là. Ah, j'ai l'armure. Il me manque quelle pièce du coup? Attendez. Super important. Oh, ça a l'air vénère ça. Si tu es magicien, bien sûr. Mais il me manque le casque en fait. Il me manque le casque. J'ai peut-être raté. Ou peut-être qu'il est un peu plus loin. On va voir. Ça se trouve, il est là le casque. Mais je sais pas. Je vais pas chercher la merde, comme dirait l'autre, hein. Tu peux faire totalement des combos. Tu peux faire des combos avec le buster et le shot aussi, hein. Les gens sous-estiment le potentiel combo du buster et du shot. Champignon d'Elisabeth, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc si je tue Elisabeth, je peux du coup avoir plein de ce champignon. Je vais pas le faire. Pas maintenant. Bon bah ouais. Il y a quand même des trucs, je sais pas. Hein. Je dirais bien qu'on reviendra, mais je suis pas sûr en fait. Attendez, ça vient de partout. Ok. Pardon. Comment il s'appelait ce jeu sur Super NES? Clock Tower, je crois, là, un des premiers entre guillemets survival horror où l'ennemi il a une grande paire de cisailles comme ça.
Je ne sais plus. Ouah, mais il taille vraiment les arbres en plus. Il y a les feuilles qui tombent et tout, c'est excellent. Mais du coup, tu vas pas me taper, toi. Ah, donc c'est le match-up en fait. Tu leur trouves des arbres, ils peuvent pas s'empêcher de les couper. Ah, par contre, quand tu pilles. D'accord. Quand tu pilles les cadavres, là. C'est réglo. C'est réglo. C'est réglo. C'est réglo, tu leur fous la paix, ils te font rien et. Quand tu tapes ou que tu voles leurs copains, ils te cassent ta gueule. Logique. Ah, alors par contre là, ça va être super chaud ton Dax. J'annonce une mort. Peut-être deux. Je pensais pas à ça en fait. Je pensais pas à ça. Ok. C'est ça, si vous voulez parier sur une mort dans Dark Souls, la chute. La chute, ça marche toujours. Alors attendez, il est où le raccourci que j'ai débloqué? On va courir comme un dératé et aggro toute la map, ça va être rigolo. Vous allez voir, on va se marrer. Un peu le sens... C'était avant ou après le... Oh putain, je sais plus moi. Là hein. Si c'est pas là, je suis mort de toute façon donc Salut Destiny. Je pourrais aller là. Mais je ne vais pas le faire. Il faut que je retourne me venger de ces sales bestioles là. C'est un truc qui est fourbe ça hein, dans Dark Souls. C'est que tu as envie de te venger des ennemis qui t'ont tué. Le problème c'est que dans mon cas en tout cas, c'est le vide qui me tue 50% des cas. Comment tu te venges d'une chute? Salut Mustas. Ok. En rebouchant le trou. T'as ça fait... Il va falloir... Une sacrée tractée de terre là pour reboucher le trou. Alors... Donc, merde, c'était pas, c'était là-bas, c'était là-bas. Le bruit de l'orage là, je le trouve ultra réussi en arrière-plan.
Il m'a vu, je crois qu'il m'a vu. Il m'a vu, ouais, il m'a vu. Ah 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 ah, la chute. Le mort, non. Prenez les paris. On va se la faire autrement. Donc là j'en viens. Ok. Hop. Hop, on esquive brillamment. Donc il nous manque le casque hein, quand même. J'ai pas la même tête qu'avant, c'est peut-être la lumière aussi qui a changé. Hein. C'est peut-être la lumière. Ah, et puis ça dépend ce que t'appelles avant. Peut-être qu'il y a eu. Il y a eu raccourcissement capillaire ou. Ou tonte de barbe. Alors là, je vais combattre le gros dragon, c'est ça? Ou ça va être encore un. Ah. Ah, je parie que c'est lui, Artorias. Mais il m'a l'air plutôt corrompu ce monsieur là. Peut-être pas Artorias du coup. Ah c'est lui. Donc il vient de se faire corrompre en tuant cette créature là, c'est ça? Easy. Oui. D'accord. Mais non, te soigne pas. Je suis mort comme une merde. Je suis mort comme une merde. Il est stylé. Non, il est stylé. Hein. Non, c'est vrai, hein, par contre. Il est stylé. Donc, on va pas, on va changer de strat. On va essayer une autre strat. On va essayer une autre strat, la strat des winners. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Du coup, j'ai raté le casque, hein. J'ai totalement raté le casque. C'est problématique. C'est pas grave. En vrai, je m'en remettrai, je pense. Ce serait pas une mauvaise idée, Fury. En réalité. Mais non, mais je fais n'importe quoi. La strat du je me perds en forêt n'est pas valide. Ce serait une bonne idée, Fury, mais je suis poursuivi. Kamel Walid, mais n'importe quoi. Mais vous dites n'importe quoi, monsieur. Alors attendez deux secondes. Ouais. Ah. Racontez pas trop Casa des Papels, j'ai pas commencé encore.
maintenant, on va tenter la stratégie, je lui défonce sa tronche. Ça me semble bien. Hein. Regardez, regardez. Stratégie... Donc là, je vais arriver, il va m'en coller une directe, c'est ça? Non. J'aime pas trop les boss qui font moi. D'accord, ça va. Ah bah ouais. Vas-y, fais-toi plaisir, hein, Arto. Tranquille. D'accord, mais en fait, je me heal quand? Jamais. Je me heal jamais, en fait, c'est ça. Esquive pas du bon sens. Arto. Arto, Miom. Arto. Non, parce que j'allais dire Arthas, en fait. J'allais dire Arthas. Et... voilà. Je me suis repris au dernier moment. La strat. La strat, en fait, je fatigue les boss. C'est-à-dire que... Donc c'est une mécanique de jeu qui n'expliquait nulle part, hein. Il n'y a que moi qui l'ai compris. Quand tu combats un boss, plus tu y vas en fait, plus le boss il en a marre. Et au bout d'un moment, tu l'as l'usure et tu le tues plus facilement. C'est une strat d'usure en fait. Déjà qu'on... Bordel de merde, elle est pas remontée la plateforme. Ah bah on a failli se retrouver avec... de la petite crêpe aux tripes en fait. Hein. C'est... Deux en un, tu te retrouves aplati contre le sol et t'as les tripes, les tripes à y aller. Je comprendrai jamais comment le boss peut me toucher alors que je suis à 2 mètres de lui, mais... Là, il peut pas me toucher en vrai. Ça n'est pas possible. Bon là oui, là il m'écrase la gueule, on est d'accord. Mais en fait je vais dire adieu à mes âmes parce que ça me saoule. Ça me saoule, c'est pas grave. Récupérer ses âmes c'est chiant en fait. Dark Souls. bien vu. Mais bah après je lui fais mal, bah oui je me doute puisque on arrête pas de me dire que mon arme est craquée. On arrête pas de me dire que mon arme est craquée et on arrête pas de me dire que franchement si je forgeais j'aurais de l'équipement mieux quand même. Hein. Donc bon. C'est pour ça que je forge pas. Pour faire chier les gens. Eh bien, moi, je fêterai plus que 15-20 essais pour le battre au cac. J'en fais pas une promesse, mais je vais tout faire pour. Alors, je pense que taper les portes de brume,
n'est pas une solution efficace. T'es sérieux là ? Enfin oui, il a l'air sérieux, effectivement. Ah mais il me tape pendant ma roulade en fait. Que je suis... Non, je suis pas Volzy. Là, c'est un bon moment pour se soigner. J'aurais dû en profiter en fait. Même si je suis pas très bas en vie. Oh, mais il me jette du caca. Et là, j'aurais dû le taper, bah. Tap, 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 tap. C'est vrai, mais non. Je pense que si tu es suffisamment près de lui quand il s'énerve là, tu peux lui caler deux coups et te barrer. Mais là j'étais loin, donc j'étais pas sûr de pouvoir faire le retour. Donc j'ai préféré assurer ma survie, hein, pour mourir empalé comme un carré de viande à un barbecue. Mais ce n'est pas grave. Je vais le battre d'ici la fin de ce stream, vous allez voir. Ah bah ça y est, ça perd déjà patience, c'est ça? Bah tous les boss on peut les... Enfin de ce que j'ai pu voir, si tu tapes suffisamment d'affilée un boss sur ses grosses attaques, ça les annule. Mais si là, pas tard. Je pense que c'est mieux d'esquiver en direction. Mais regardez, il me tape pas là. Enfin, jamais. Là, ok, je lis pas bien son jeu, il me tape, c'est normal. Mais. Non mais en plus à chaque fois je sais... Là je vais encore mourir. Voilà. Je suis décédé. C'est assez bâtard le jeu, je pense. Le jeu qui met vous êtes mort. En mode, des fois que tu l'es pas compris,
Hein? T'es nul, t'es mort. Regarde, tu es mort. Le personnage ne bouge plus. Bah le truc c'est que son attaque brochette, en vrai je sais comment l'esquiver. C'est juste que quand il l'a fait, bah je l'esquive pas, je fonce dedans. Donc forcément ça marche pas. Mais en plus c'est cool parce que l'attaque brochette il te l'a fait. Tu fais un pas de côté et non pas en avant dans son attaque ni en arrière dans son attaque. Tu fais un pas de côté et t'es juste à côté de lui pour lui en coller une. Voilà. C'est pour ça qu'elle... Mais bon, bref. En résumé, je suis nul, quoi. Voilà. Allez, on se la refait. Voilà. Vous avez vu ? Un pas de côté, c'est réglé. Enfin, un pas de côté, une roulade de côté, j'entends. Ah, c'est vrai qu'il le fait plusieurs fois. Ouais, là c'est moi, là, j'ai mal joué, là. Ces saltos, il peut les faire jusqu'à 3 fois. Je sais pas bien repérer quand il va en refaire un autre en fait. Enfin, jusqu'à 3 fois. Il me l'a fait jusqu'à 3 fois. Bon, ça va, c'est pas loin. Hein. C'est la période des brochettes, c'est vrai. Totalement. Non mais je le tiens là, je le tiens le boss. First try, vous allez voir. First try, mais j'ai pas trop confiance, donc je vais quand même remonter la plateforme pour que ça soit plus rapide pour revenir. On sait jamais. Exactement. First try à chaque nouveau try. Donc regardez bien. Le premier first try. Oula, je suis parti loin là. Oh, vous connaissez pas celle-là. Ah merde, je suis trop loin là. Arrête de panique roll. Calme-toi. Putain, il m'en recolle une et je suis mort. Je me suis trompé de bouton. Le mec, il a un bouton d'attaque. Là, sous le doigt, il se trompe de bouton quand même. Hein. C'est très, très fort. Ça mériterait des applaudissements. Ça mériterait des applaudissements. Bah justement Mustache, justement, en fait, quand j'ai voulu boire une fiole, j'ai lancé une attaque. Et quand j'ai voulu
lancer une attaque. J'ai appuyé sur le bouton pour boire une fiole. Sauf que bah... C'était pas ça. C'était pas ça qu'il fallait faire. Et en plus, j'ai voulu lancer l'attaque alors que j'aurais dû esquiver. Donc du coup, grosse confusion, tu vois. Bon, il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Enfin, j'en parlerai quand j'aurai... Enfin, j'en parlerai si je tue le boss. D'ailleurs, tiens, on va... Hop. J'en parlerai si je tue le boss. On verra, parce que j'aurai peut-être l'explication. Ah putain, j'ai dévié trop tôt. En fait, j'ai esquivé 4 ans trop tôt. Bah ouais, moi je pensais qu'Artorias c'était le héros, tu vois. Et en fait, il s'est fait baiser. Mais j'aurais peut-être l'explication. Une suinte du respect, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, bah oui, alors par contre, si je fais la roulade en arrière quand il fait cette attaque là. Alors on a piffé, il a jamais fait plus de 3 fois celle là. T'es sérieux? Ah, c'est un salaud. Oui, alors par contre le combo à la relevée quand ton personnage se relève tout seul, c'est un peu moyen quoi. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai encore plein de first try en stock, vous allez voir. Jusqu'au bout de la nuit. Enfin, jusqu'à 23h en fait.
Oh, think of any. Oh, you know. Je me disais peut-être que une fois qu'il voit que je me suis fait déboîter par Artorias. Il me dit quelque chose. Ah putain. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bravo. Bah putain, il a raison. Il a raison. Je veux dire, s'il me voit jouer comme ça, je m'étonne qu'il me respecte pas le PNJ. Hein. C'est cadeau. C'était la run bonus. Ça c'est pour moi, c'est cadeau. C'est gratuit. La maison qui offre. Ah mais pour de vrai en fait. Putain, je vous ai rien fait moi. Non mais cette fois je le sens bien là. Ça commence bien déjà, donc je pense que là on ne peut que gagner. On ne peut que vaincre. C'est une autre strat, hein. Bah ouais, hein, je pense que bourré comme un gros enfoiré, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Ah mais, d'accord. Donc non, il n'y a pas d'explication. Donc c'est ça, là, il a tué ça, là, et il est devenu corrompu. Ou il était corrompu avant. Non, je crois que c'est vraiment le fait d'avoir tué ça et il est devenu corrompu, ou je sais pas.
Ou alors il était corrompu déjà d'avant. Mais c'est bizarre, je pensais vraiment que... Oh, for Junipers, put some spring into your step. Did you really slay Knight Artorias? I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely... Ah, donc les Abysses s'étaient déjà emparés. Yes, magnificently so. Believe it or not, Ulysseel has brought the Abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. Ah, merci, Uriste. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Hmm. Oh, yeah. Bah, oh, d'accord. So long. Merci, Uriste. Waouh, vous avez eu un cadeau. Vous avez des émotes football. C'est fou. Donc quand on spamme des bits, ça file des cadeaux football à tout le monde. C'est stylé. Donc, mais juste du coup, parce que du coup, il s'appelle Artorias, le marcheur d'Abyss. Mais il a marché dans que dalle en fait, hein. Il se les est pris en plein dans la gueule. C'est une fraude. Totalement une fraude, Artorias. Hein? Oulala. Je veux pas... Ah! Voilà, c'est ça que je voulais, moi. Putain, la vache! Toutes ces émotes! On s'est mis 40 force, 40 tendu. On fait quoi? On fait 40 vita? Non, vitalité. Ça sert à rien, je meurs jamais. On va ouvrir notre possibilité de build. On va se mettre plein de decks. Ou alors attendez. Attendez. Pas classer nos armes. Je pourrais équiper ça. Je pourrais totalement pas équiper ça. Ah, pardon, j'en ai trop demandé, c'est ça? Je suis désolé, je m'excuse. Ils ont l'air pas contents en face quand même, hein? On va se mettre 50 en force, on va essayer d'avoir 50 en force pour s'équiper l'épée... l'épée machin, là. Ah putain, c'est vrai, t'as raison en plus. T'as raison, Uriste. Ah, quoique ça. Ça peut être bien. Alors, non, je voulais juste voir un... Attendez, je suis désolé, hein, je fais du menuing chiant et tout.
Ah, cette arme pouvait toucher les fantômes. Mais ça mec c'est maudit. J'ai peut-être pas envie d'équiper une arme maudite. Bim. Oh, j'ai débloqué l'arme ultime. Parce que je suis trop fort. Donc voilà, comme ça j'ai upgrade mon arme et puis voilà, on s'en fout. Alors. Mais attendez, parce que je ne comprends plus rien. J'ai un choix de chemin, mais c'est fou. Ah. Le cristal pourpre du lâche, très bien, ça te jette ça à la gueule comme ça, parce que pourquoi pas. C'est pas inconsommable. Pour le jeu en ligne, on ne joue pas en ligne. C'est du PVP en fait, c'est ça? Ah, c'est totalement. D'accord. Là, oh, ok, ça marche. Eh bah, rien à foutre. PVP égale je m'en bats les reins. Par contre, là, il y a quoi? Bah le Rick Creepy c'est un monstre qui avait l'air de m'en vouloir hein, quand même. Je ne sais pas pourquoi. Quel était ce bruit? Soit j'ai raté la clé, soit elle est plus loin. J'ai bien peur que... Bah qu'on ne saura jamais en fait. Bon, en tout cas le combat il était cool contre Artorias. On a appris que c'était une fraude le mec, mais c'était cool. Alors, j'allais dire, putain les gars, vous êtes sacrément moches. Ils ont dû pressentir l'insulte et me taper avant en fait, en représailles. Question à deux balles, sans me dire spécialement comment, mais il y a moyen d'avoir une mon arme là, mais en plus 10 ou plus 15.
Que en plus 5. Ouais, comme bah voilà ce que j'ai quoi. Il y a des cris chelous dans cette angoisse là. Ça y est, j'ai compris. Oh! J'ai compris ce que tu voulais dire, Scalid. Ouais, mais alors attendez, parce que là, on va dans les petites ruelles, hein. Les petites ruelles sombres là, on va se faire agresser à coups de surin dans, l'allée. On va voir ce qui se passe par là. Très bien. Bah, très bien. Voilà. Bon. Je veux dire, dans le doute, je tape de toute façon tous les coffres. Mais celui-là, il était beaucoup trop suspect. Hein. Tu sais, on peut prendre des raccourcis de la mort là quand on connaît bien la zone et tout. Alors attendez, on va retourner là. Hein. On va juste retourner là. On ne sait jamais. Je sens que des choses bien peuvent se produire ici. Ou pas, hein, je peux me tromper. Lâche-moi. Merci. Ah ouais, c'est... C'est très bien ça. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. C'est un peu mon credo, finalement. Ah. Oh, ça semble... Ah, ça ressemble à un objet clé, ça. Non ? On déconne ? Il manque un visage sculpté dans arbre titanesque.
Merde, Ah, The Objet. Bon, c'est peut-être bien alors. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est un truc que je peux utiliser de manière infinie? Pour l'instant, je ne suis pas à l'étape de la compréhension. Oh, 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 oh. Oh bien. Non, 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 non. D'accord, il faut arrêter avec ce rien. Ils ont piqué le contenu des coffres, les salauds. Ah mais c'est quoi tous ces objets là? Il y en a trop. C'est quoi? C'est une arme? Ah non, c'est une magie. Ok, j'avais pas vu que c'était un parchemin derrière. Ouais, c'est chaud. Bon bah les magies... Hein? Pas de ça chez nous, hein. Ah, il m'a dit pardon. Bah désolé. C'est très intéressant tout ça. Mais je me casse comment là? Suffisait de demander. C'était juste pour ça? Attendez, je vais descendre là. Ah non, bah non, ouais, non, on s'en fout en fait. Je me suis fait banane.
Je crois que je me suis perdu. Je vais pas aller dans les conclusions hâtives, mais je crois que je me suis perdu. Je me suis totalement retrouvé quoi. Heureusement que j'ai un bon sens de l'orientation parce que sinon sinon j'aurais eu des problèmes. Ouais, alors ça. Ouah ! La caméra elle s'est recadrée toute seule, j'ai cru que j'avais déclenché une cinématique. Je suis sûr, j'aurais pu sauter là sur ce toit alerte là, bon c'est pas. Donc ils pètent un câble parce qu'ils sont en train d'être corrompus, c'est ça? C'est ça qu'ils crient. Grand fragment de titanite, très bien. Elle m'inspire tellement pas la confiance cette zone là, c'est ouf. Hein? Ouais? Ah ça va, je suis pas le seul. On n'atteint pas le niveau de stress que j'avais quand j'ai fait. Alors je sais pas si les gens étaient là quand j'ai fait Bloodborne. Le cœur, ça. Avant justement. Ebrietas et toutes ces conneries là. Waouh, cette zone là, j'étais en panique. Hein. Mais la vraie panique. Là c'est juste ça met pas bien mais ça va. Mais ça met quand même pas bien. Ouah là par contre ils sont pleins là, faut pas que je fasse de conneries. Conneries de style faire un pas de trop et un aggro 12 au lieu de 6. Vous voulez pas venir? Il y a un mage en plus. Ah, je peux pas tomber. L'arnaque. Salut Xavier. L'arnaque est totale. Un par un. Un par un, c'est déjà un trop. Hein, je vous le rappelle. C'est mon slogan, c'est mon lindo. D'accord, il vient de me lancer une grosse zone de poison dans la gueule, c'est ça? Elle respecte mon armure de Nazgûl.
Il sait que c'est cosse. Patate. Patate. Non, j'ai. Patate, j'ai dit pas coup de pied. Allez, ramène-toi. Voilà. Pas coup de pied. Merde, ils sont deux. Ah. C'est trois de trop ça. Oh là là. Bim. Je peux avoir ça là. Ah, je peux pas faire genre... Ah, voilà. Quand même. Physique réaliste. C'est un bon jeu. Bah ça dépend de quand je baisse la tête en fait. Voilà. Et puis tu fais partie des heureux élus chez qui le stream faible latence est compatible. Apparemment. Je pouvais venir en haut pour couper la corde, mais du coup j'ai fait avec une flèche, donc c'est très bien. Alors moi je serais pas contre un raccourci. Ouais. Ouais ouais ouais. C'est bien ça. J'aime bien ça. Ça, ça sent le raccourci. Genre tout dans la forêt au début là. Non. Pas du tout. Tant pis. Le petit côté ruine dans le Seigneur des Anneaux. Avec mon costume, c'est parfait en fait. Du coup. Donc le feu, il est là. Hein. Bon, ça va. Ça va. Si on décède, on n'arrive pas trop loin. Ça va. Ah, j'avoue, j'avoue. J'avoue, à quand les montures dans Dark Souls, hein? Non mais je... C'était flag. Ça c'était moins flag déjà. Alors, puisqu'on parlait de décès... Alors, autant les ennemis sur les côtés, je les avais sentis venir, autant la boule de feu à l'autre bout de l'escalier, je l'avais pas vu venir, j'avoue. Donc, là, j'ai jamais été aussi content de ma vie d'avoir trouvé le raccourci, en fait. Hein, finalement. Hein, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, Kuran? C'est même limite presque bizarre que les développeurs te proposent un raccourci avant de te faire un coup de pute. Hop là! Allez, on y retourne. On avait une humanité, ce serait con de la perdre en plus. On est en train de build de l'humanité. Ils pensent aux joueurs comme moi? Ah bah dis donc, vu ce qu'ils m'ont mis dans la tête avant, je suis pas sûr. Hein. Mais alors du coup, on passe comment en fait? C'est ça la question. Parce que là, on va aggro, on est d'accord. Merde, non mais c'est pas ce que je voulais faire non plus. La mort caca. La mort caca.
Donc je me suis pris deux boules de feu, ça veut dire qu'il y a deux mages. Hein. On dirait que c'est deux archers. Ouais, enfin, c'est plus des mages, je pense, mais oui, exactement. J'ai l'impression qu'ils sont deux. Pour deux fois plus de fun. Donc, en tout cas, Fury, hein, tu as ta réponse. Hein. Tu te posais la question si ça allait être un boss rush ou pas, le DLC. Non. Clairement pas. Ah, tu penses que. Ouais, non, mais là, il a un cast très rapide. C'est au-delà du rapide là. Mais en plus il est où le mage parce que je le vois même pas. C'est toi au fond là. Ah ah voilà. Ou c'est un piège à la con, c'est possible. Non, il est là, le. Ils sont là. Non mais en fait c'est eux les mages. Regardez. Je vous montre. C'est eux. Regardez, lui là. Merde, mais. Mais regarde pas la boule de feu ! Mais qui est con ? Joli, joli, très propre. Ah mais c'est pour ça que je les esquive pas. Elles sont à tête chercheuse. C'est bien. C'est bien. Il est bien ce jeu, je l'aime bien. Alors il y aurait bien la solution de rusher sur... Oh non, attends. Non mais je pense que là il va falloir que je joue mieux en fait hein. Une solution serait de courir. Si ça se trouve de l'autre côté de cette grande arche là, il y a. Je ne sais pas. Peut-être une cinématique qui se déclenchera. Un combat de boss. Un combat de boss et on aura du coup tous les ennemis sur le dos. Ils ont. Ouais, ils ont la tronche éclatée quoi. Bah. Ah bah non, attendez, il est con, il suffit de faire ça. Mais non ! Ah non, non, là c'est moi, là c'est moi, c'est... Je plaide coupable, coupable, coupable.
Voilà. Il y a peut-être d'autres mages, oui. Ça fait une grande salle pour qu'il n'y ait rien, hein, quand même. Ah, déjà, il y a un truc là qui m'attend. Ça a l'air bien vénère aussi. Alors, c'est quoi? Elle est où la tête là? Je crois qu'il y a un problème. Oh mon dieu! Eh ben, madame, on n'est pas rendu. Ça va. Ça va, ça va. C'était facile. Salut Romain. La saladerie applique au cas. C'est ça. C'est... Oh là. Surprise! Bon, ça. On ne nous l'avait pas encore faite celle-là. Ben voilà, c'est fait. C'est un feu qu'on voit au fond là? C'est trop beau pour être vrai. Je vous le dis, c'est trop beau pour être vrai. Ou peut-être est-ce trop vrai pour être beau? Alors, est-ce qu'on explique à Romain qu'il arrive quand j'arrête le stream ou pas? Est-ce qu'on lui dit maintenant? Ou est-ce qu'on attend un petit peu? Aller dormir, bon, on va pas arrêter. Ah, quoi que, si, parce que là, si je m'embarque encore dans un truc, ça va prendre peut-être un peu de temps. Eh bien, ça marche, Romain, et puis merci d'être passé. Ah, qu'est-ce qu'il fout? Ouah, mon pied il se tord tellement bizarrement, j'ai mal pour mon perso. Bah oui, Romain, bien entendu. Je peux encore embraser. Ah ouais. Ah bah voilà, là on peut le faire ce petit barbecue. Je pourrais encore embraser? Non. Quelle jolie lumière bleue.
Ça me rappelle pas du tout le tombeau des géants. Le gouffre des abysses. Ah ouais, on est d'accord. Non ! Non ! Gros truc de merde ! Ah, je suis trop nul ! C'est mon amulette qui fait de la lumière. Ah, ça, c'est l'amulette que j'ai trouvée tout à l'heure. Qui fait de la lumière ou ça a rien à voir? Il y a quoi là? Il y a le vide, hein, on est d'accord. Les allumettes, ouais. Je laisse 2 minutes, hein, voir ce qui va m'arriver dans la tête et puis. Non mais t'es sérieux là? Bah quand même! Bon, il y a un moment, je vais bien être gentil. Bon, finalement, le seul truc qui m'intéresse moi dans l'histoire, c'est cet objet. Au milieu de la salle. Le reste, je m'en tamponne un peu les reins. Ouah, ça esquive, hein. Bien à l'abri derrière mon pilier. Je tue. Et j'ai encore eu un superbe sort que je vais m'empresser de ne pas aller voir. D'accord. Bah écoutez, je retourne sauvegarder et puis. Enfin, je retourne sauvegarder. Je retourne au feu. Et je vais mettre fin au stream. Avant de m'embarquer dans un truc de merde encore. Je le sens là. Je le sens que ça va pas être bien cet endroit, je le sens au plus profond de mon bras. Donc, est-ce que je peux encore embraser? Ah bah oui, je suis en carcasse, ok. Bref, je vous dis bah merci d'être passé, je vous fais des bisous. À la prochaine, tout ça, 5 minutes de pub. Et puis bah bonne nuit, hein, surtout. Allez, tchou. Merci de passer à toi aussi, moi. Ouais.